Maintenant, nous allons parler du récit. La base de toute histoire, c'est le mensonge. Tout mensonge. Au départ, nous avons une femme qui est une psy et qui auparavant était un homme appelé Dorian. Dorian, à l'âge de l'adolescence, 15-16 ans, est dans une situation de mal-être. Bien. Et il s'engage peu à peu sur un chemin dont l'objectif est de devenir une femme. Donc, il subit plusieurs opérations esthétiques au niveau du visage, de la poitrine, il prend des hormones. Au départ, il s'agit d'une transformation corporelle. Un homme qui a un problème d'identité et qui veut devenir une femme. Pour Arthur, qui est donc l'ITESS, il gratte un peu l'histoire de Lucie et il découvre un monde qui est appelé les LGBT. Et dans ce monde, il y a la prostitution, plus la drogue qui est consommée. Et la drogue permet de supporter la transformation corporelle. Donc tout cela, c'est comme un énorme mensonge. Donc Lites, qui est donc Arthur, Lites, auteur du roman, fait une analyse psychologique de Lucie et de cette situation. Comment une relation si longue, comment a-t-elle été possible? Elle dit que les personnes qui sont trans automatiquement sont liées au mensonge. Imaginez un petit peu. Le matin, devant son miroir, la personne a une image qui se reflète psychologiquement dans son cerveau. Par exemple, c'est un homme. Et puis, l'image qu'elle voit dans le miroir, c'est une femme. Quelque chose est discordant. C'est un mensonge. Ensuite, l'analyse de cet homme, de cette femme trans, va réfléchir à plein de techniques de manipulation, soi-même déjà, et puis les autres personnes. Elle va être dans un jeu de techniques de manipulation. Autre analyse, la personne trans, elle-même va accepter des opérations et des prises d'hormones pour que son corps se transforme. Elle va accepter de transformer son pénis, de l'enlever et de créer un vagin factice, presque comme celui de la femme. Mais évidemment, c'est fou. Il y a donc un processus, au départ il y a le mensonge, ensuite on parle de manipulation, de technique de manipulation, puis au bout, la personne devient un pervers narcissique. C'est automatique. Psychologiquement, on rentre dans la perversion.